Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 313 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Alors je me suis levé il n'y a pas très longtemps, au cas où, hein. Donc du coup, voilà, parce que je me suis endormi très ultra tard, tout simplement. Donc du coup, je me suis levé il n'y a vraiment pas longtemps, donc du coup, je suis désolé, vous aurez du coup la voix du matin, entre guillemets, mais ne vous inquiétez pas. Elle passera normalement d'ici peut-être la fin d'épisode, on la verra plus. Et du coup, bah, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement fait un petit épisode chill. Voilà, donc un gros épisode chill. On avait enfin réussi à récupérer pas mal de noix Korogu comparé à d'habitude, hein, tout simplement. On était à 283, c'est quand même assez fou, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, on va tout simplement continuer notre aventure. J'ai vu que dans l'épisode précédent, le son est saturé de fou et tout. Enfin, dans les épisodes de la semaine dernière. J'espère avoir réglé le souci dans cet épisode-là. J'espère que, voilà, j'ai fait un test. Le problème, c'est que le son est encore trop bas, donc je viens de l'augmenter. J'espère que ça sera suffisant. Bah, on verra, de toute façon, je suis pas devant, on verra, hein, tout simplement. Et du coup, déjà, on va directement avoir notre réceptacle de cœur, ça c'est bien. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes, si tu le sais, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Que souhaites-tu recevoir? Je veux un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Voilà, ça nous fera du coup un cœur en plus. Réceptacle de cœur, ce précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'énergie vitale que vous ont fait perdre les miasmes. Votre nombre de cœurs augmente de 1. Bah, il ramène la paix dans le monde. Ok, bon, écoutez, ça nous fait un cœur en plus. Un cœur en plus. Alors du coup, plusieurs choses à faire. Alors, cette semaine, au cas où, vu que c'est un gros planning, il y aura pas mal d'épisodes. Je vous le dis, hein. Et du coup, aujourd'hui, alors je sais plus ce que je vous avais dit, qu'est-ce qu'on ferait. Alors j'ai mis la quête secondaire. Ah oui, d'accord. Le prophétie d'Edal Sud. Si j'ai noté ça, c'est parce qu'on veut finir le labyrinthe, certainement. Donc vous avez activé le dernier terminal au sommet du labyrinthe flottant dans le ciel et à l'est des contrées Gerudo. La voix vous a dit, prouve que tu possèdes le courage de plonger sur la surface au plus profond de la terre. La voie finale t'est ouverte. Donc du coup, évidemment, on va le faire. Voilà, et du coup, pour activer la racine. Ah oui, d'accord, on voulait faire quand même quelques racines aussi. On voulait faire quelques racines. Au moins en faire, 4 par semaine, ça peut être bien. Ou 3 par semaine minimum. Ça pourrait être bien pour augmenter, pour être un petit peu plus tranquille. Là, on est à la moitié, hein. 60, on est à la moitié, tout simplement. Donc on verra si on y arrive à faire au moins 3 cette semaine-là. J'espère quand même. Normalement, j'espère quand même. Et du coup, let's go, on va pouvoir plonger dans l'abîme, tout simplement. On va pouvoir plonger dans l'abîme. C'est parti. Oula. Voilà, désolé. Ah, il y a encore un genre de golem axe, d'accord. Ok. Souterrain Dédale Sud. Ok. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on ne voit quasi rien. Ok, il y a deux passages. Il y a deux passages et le boss est en bas. Tac. D'accord, oh lolo. Ok, la voie... Enfin, le boss est là. Orbe d'énergie sonao de puissante attaque en amalgame. Ce matériau peut notamment alimenter un golem en énergie. Dépôler les aides de générateur pour obtenir des artefacts. Ou bien utiliser-le comme recharger la batterie. D'accord. Ok. On voit qu'ici c'est fermé. On va quand même aller jeter un petit peu un coup d'œil de droite à gauche. Oh. Vous avez vu, ça paye, hein. Il y a quelque chose ici, on dirait. Waouh, c'est très mystérieux cette zone. Hein.
Alors il y a un truc là-haut. Il y a peut-être un coffre. Hein. On va d'abord récupérer les coffres un petit peu aux alentours. Ah non, ou pas. Ah oui, il y a un coffre, oui. Il y a bien un coffre. Il y a quoi là-dedans? Arc de sonium, 30 d'attaque, durabilité plus. Cet arc de l'énergie sonao vous permet de maintenir bandé avant de tirer. Plus vous maintenez bandé avant de tirer, votre flèche, plus la portée et la dépense d'un énergie sonao augmenteront. Ok. Ça, c'est très bien, ça, comme arme. Bah écoutez, on continue. Hein. Bon, ça servira à rien de mettre des grosses ici. Orbe d'énergie sonore de puissante attaque en amalgame. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. Déposez-les dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utiliser comme le recharger la batterie. Utilisez-le comme recharger la batterie, évidemment. Oh, un autre coffre. Ok, je regarde si il y a rien dans les airs. Ah, il y a un truc là. Bon, quand même, on va aller jeter un petit coup d'œil. Lame de Major, 50 d'attaque, tire attaque plus 10. Cette puissante épée a été autrefois utilisée par les Sonao. Attachez-lui à un matériau, pardon, ou un artefact Sonao. Et son attaque augmentera beaucoup plus qu'avec d'autres matériaux. Ça, c'est très très bien. Bah, je suis désolé, hein, on va enlever ça. Voilà. Ça fera toujours une arme de cheater en plus, sachant qu'on va certainement en consommer une entière avec le boss. Ça je m'y attends. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Ok, on a réussi à faire le tour. Ah non, je crois qu'on est là, on est de l'autre côté. Oui, on est de l'autre côté. Eh oui, on est de l'autre côté du boss, évidemment. Orbe d'énergie sonore, de puissante attaque en amalgame. Cet matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. Déposez-les dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utilisez-les comme recharger la batterie. Ok. Orbe d'énergie sonore, de puissante attaque en amalgame. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. Déposez-le dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utilisez-le comme recharger la batterie. A mon avis, c'est le ultime, voilà. C'est la version ultime du Golem Axe. Par contre, on peut même le prendre en photo. Pour la collection de monstres. C'est ouf. Ok, donc là il y a aussi des choses, hein. On va quand même les récupérer. Je pense qu'il y a... Ok, alors certainement il y aura le coffre là-haut. En même temps, on récupère les esprits, hein. C'est ouf, c'est labyrinthe. Un petit coffre ou pas? Alors certainement derrière ce cube. C'est à ça, ici c'est pas pour rien. Voilà, je m'en doutais, merci. Y'a quoi là-dedans? Lance de Major, 42 de dégâts à distance lancée plus. Cette puissante lance était utilisée par les Sonao. Attachez-les à un matériau, un artefact Sonao, son attaque augmentera beaucoup plus avec d'autres matériaux. 18, on peut enlever. Ok, donc il ne manquera plus que l'autre côté. Ouais, il ne manquera plus qu'avec l'autre côté. Hop, orbe d'énergie sonao, de puissantes attaques en amalgame. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. Déposez-le dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utilisez-le comme rechercher la batterie. Ok. Ah, le retour du coffre. Ok. Et il y a toujours aussi le truc là-haut. Ok, bon écoutez, en fait ça va. Ça se passe bien. Grande lame de Major, durabilité plus, 49 de dégâts. Cette longue épée puissante était autrefois utilisée par les Sonao. Attachez-lui à un matériau ou une artefact Sonao et son attaque augmentera beaucoup plus avec d'autres matériaux. On va enlever celui-là. Est-ce que par hasard il y a des choses intéressantes là-haut? Non, c'est juste un endroit vide. Ok. Bon, bah écoutez. Eh
Eh ben voilà, on aura fait le tour. Bon, vous êtes prêts? On peut essayer de l'affronter. Oula, il y a eu juste les pompiers ou quoi. On va essayer de l'affronter. On va prendre une arme si possible à 50. J'aimerais bien qu'il se retourne pour essayer de voilà de l'attaquer par surprise. Super. Ok, c'est parti pour le boss. Ah, attention. Hop. Ok. Je sais pas ça va suffire. Ah non, tu sais cube là encore. Ah, ce matin il tremble. Merci. Allez. Mais non. Mais il est con, Link. Oh non, mais il est débile. Alors là, j'ai visé le cube, hein. J'ai vraiment visé le cube. Mais il est vraiment abruti, Link, hein. Mais vraiment, ah non, mais un niveau d'abrutisme rarement égalé, hein. Putain, mais il est vraiment débile, Link, hein. Ah, je suis désolé. C'était pas volontaire comme ça. Hop. C'est bon, là. Cette fois-ci, tu me fais pas la même erreur. Hein. Allez. Merci. Et il manque que dalle maintenant. C'est parce que là, il est pas assez haut. Bah, il peut pas aller plus haut parce qu'il y a le plafond. Et voilà. Bon bah là c'est juste une question de un ou deux coups. Et voilà. On l'a eu. Oula, tech. Amalgame. Alors attendez. On obtient plein de choses. Amalgame évidemment. Voilà, un beau truc à 65, ça fait pas trop de mal. Bon bah écoutez, on aura terminé du coup le deuxième labyrinthe du jeu. Donc écoutez, bah on y va. Toi qui as traversé le labyrinthe des profondeurs de la Terre. Cette arène a révélé ton adresse, ainsi que ta force physique et mentale. Ta valeur est indéniable. Je reconnais ton exploit tant que maître des sangliers. Reçois la récompense que tu mérites. Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mal scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Ok. Et voilà, la prophétie des Dalles Sud terminée. Masque spectral 4, date de défense, discrétion plus. Ce masque sinistre était porté par un esprit maléfique d'une autre dimension. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Ok. Les portes se sont ouvertes. Ouais, les portes se sont ouvertes. On peut se barrer. Alors par contre, on n'a pas obtenu la racine. Je pense qu'elle est au-dessus comme dans le précédent labyrinthe. Donc on va essayer d'aller tout en haut. Ça là. On peut pas aller là-haut. Ça va être gênant ça. On va essayer d'aller là-haut avec ça. Non mais t'es sérieux, Link? Ok, on va y aller petit à petit, hein. Je pense que là c'est bon.
Ah, elle est là. Elle est là, petite canaille. Et du coup... Racine Isis Utom. Bah écoute, on l'active. On fera du coup une racine en plus. Bon, bah au moins ça c'est fait. On aura affronté notre Golemax ultime. Du coup, il ne manquera plus que le dernier labyrinthe. Qu'on se réservera peut-être un peu plus tard quand même. Hein. La racine purificatrice illumine les alentours. Ok. Alors, il y a un truc là, on dirait, une genre de mine. Donc, on peut essayer d'y aller. On va essayer d'y aller et on va pouvoir continuer un petit peu les profondeurs. Ah donc on est là donc ouais. L'objectif ça serait bien de faire quelques racines en plus. Genre en faire deux ou trois autres en plus cette semaine, ça serait l'idéal. Oh. What? Il y a un refight? Mais vu l'immensité de la zone, il sait pas Golgotha. C'est Kogela. C'est Kogela. Ok, bon bah il y a Kogela ici. Attendez, mais il me faudrait activer la racine, non? Il n'y a pas la racine quelque part par là? Ça m'aurait arrangé. Il y en a une là. Je sais pas si ça sera suffisant pour activer... pour battre ce boss là. Ok, merci Mams. On va essayer de voir si c'est suffisant d'activer cette racine là. Comme ça, si on peut affronter Kogela dans l'épisode prochain de nouveau. Ça veut dire qu'on va avoir un épisode de refight et ça c'est très bien. Ok. Donc ça fera la deuxième fois qu'on la verra. Oula, oula. Oh putain, j'ai eu peur là. J'ai plus de trucs. Bah, on va activer cette racine là et j'espère que ça sera suffisant pour... illuminer l'espace où il y a Kogela. Parce que ça va être un peu difficile sinon, mais... Bah attendez, je vais juste noter que déjà ici, il y aura quelque chose à faire de toute manière. Merci. Racine aquatique. Ok. Alors avant de faire ça, est-ce que par hasard, on n'a pas loupé des... des trucs, des mines ou quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a les... Oh, il y a les amphithéâtres, j'avais complètement zappé. Ça m'était sorti de la tête un instant. Ok, ça on l'avait fait. Ça on l'avait fait. Celui-là, voilà, genre ça, on l'a jamais fait. C'est une mine, hein. On le note. Celui-là non plus, on l'a jamais fait. Allez, hop, on le note. Ok, celui-là on l'a jamais fait, on note. Ah, je sais pas si c'est lié avec l'usine de robots, je n'en sais rien. Ok. Là, il y a... rien, alors là il y a un truc, je sais pas c'est quoi, mais à gauche... Je sais même pas si on y est déjà été, le mode empreinte. On n'y est jamais été. Donc là, il y a un truc là, on n'y est jamais été. Ok. Je suis désolé, je marque les trucs qu'on n'est pas été parce que comme ça au moins, genre quand on fera des épisodes de chill ou quoi, on saura quoi faire quoi. Ok. Allez, on active. Et ça sera du coup notre... pour le moment, notre dernière racine pour aujourd'hui, parce que du coup, bah, dans l'épisode prochain, on va re-affronter Kogela. Oui, merci, Mam.
on va pouvoir réaffronter Kogela, évidemment. Donc en même temps, je vais aller manger, moi. C'est pour ça que après, en même temps, je vais aller manger. Alors j'espère que ça va illuminer suffisamment pour affronter Kogela, parce que l'affronter dans le noir, c'est pas très évident. Mais ça a illuminé, on peut voir vraiment autour, mais je sais pas si ça suffira, quoi. Oh si, ça peut peut-être suffire. La racine purificatrice illumine les alentours. Ah, ça peut suffire, mais je pense que c'est limite. Ben vous savez quoi les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ah c'est ici qu'elle est Kogela. Il faudrait que j'arrive à trouver une racine vers là. On l'affrontera peut-être quand on aura trouvé une racine vers là. Donc attendez, ben c'est certainement cette racine là. Ok, donc certainement il y aura une racine là. Ouais, donc du coup dans l'épisode prochain on essayera d'aller là-bas. En direction de cette racine, tout simplement. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir y aller par le haut, là. Donc, genre, si on se met là, on va peut-être pouvoir y aller par là. Et donc, du coup, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 313. Et on se dit à l'épisode 314, dans lequel, bah, on ira en même temps peut-être explorer cette mine. Voilà, on est tombé face à une mine, donc on va pouvoir y aller. Et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey! Peace! Il faudra monter tout là-haut.